comme Samuel Bolduc là, en ont plein leur bottine. Les Foreurs qui tentent de couper vers l'enclave. C'est Tessier le long de la rampe. Transversal sur le côté droit pour Ouellet. À la pointe de lancer le but! Oh, oh quelle boulette! C'était Highland. Décampe à l'autre bout. Highland va tenter de se faufiler. Remet vers Edmund. Le lancer, bel arrêt! Retour par la suite. La voix qui n'a pu compléter. Tourigny reprend. Décampe à l'autre bout. Tourigny, fin patineur, s'avance devant le filet. Catherine Akès a tenté d'utiliser le défenseur comme écran. Ça s'est refermé devant lui. Attention, Tourigny reprend. Il est seul dans l'enclave. Lancez le but! Miguel Tourigny profite d'un cadeau dans l'enclave. C'est 2-1. Et la défensive des Foreurs a erré là-dessus parce que tout le monde s'en venait vers Alexandre. L'autre bout, 1-30 découlé à la troisième. Ouellet qui réussit à glisser la rondelle sous les patins de Bolduc. Ouellet renvoie dans l'enclave. Kozlov se déplace, le tir et le but. Kozlov qui, avec une petite feinte, a réussi à s'écarter vers la gauche, garder la rondelle. On repasse. Tessier s'amorce, amorce la contre-attaque plutôt pour les Foreurs. Tessier, un lancé qui a fendu l'air et la rondelle qui revient devant entre les jambières du gardien Olivier Adam et Ouellet. Oui, et puis c'est deux points qu'on aurait aimé aller chercher là, avec le match face à Sherbrooke mardi. Et un lancé dans un filet désert. Marshall Lessard qui va venir rajouter l'insulte à l'injure, un cinquième but. Et ça va être 5-1 la marque pour les visiteurs. Ouais, ce sera.